C'est ainsi que s'est clôturée l'année scolaire 2021-2022 au complexe scolaire Bomberger 1 à 2, réunis tous dans l'enceinte du complexe scolaire Bomberger 2 à Kahinda, où les niveaux d'enseignement et d'encadrement des enfants par le personnel de ces écoles s'est éclaté au grand jour. A-N-T-I-L-O-P-E. Les parents d'élèves, eux, très émus par les prestations de leurs enfants ainsi que le niveau de leur apprentissage, se sont dit satisfaits et promettent de rester fidèles à cette école qui fait de leurs enfants des véritables élites de demain. Je suis satisfait parce que la fille a fait 74%, elle est terminée la troisième et l'autre a fait 60%. Le promoteur de l'école, Maître Johnson, appelle les parents à continuer à faire confiance à ces deux établissements et promet de ne ménager aucun effort pour l'épanouissement intellectuel et l'éducation de leurs enfants. Alors, où est Justin? Parce qu'ils avaient placé confiance en nous. Et aussi, nous disons merci à Dieu parce que nous avons atteint la fin de cette année. Et nous félicitons tous les parents au bout de la réussite de leurs enfants. Et nous leur disons que l'éducation, c'est de notre apanage. Nous n'allons jamais les décevoir. Ils continuent à passer confiance en nous parce que nous nous mettons et nous corrigeons les petites erreurs à travers les remarques. Et très prochainement, les résultats seront bons et que nous irons toujours de l'avant. Si un tel message est en train de passer, ce n'est pas un vrai message. Certes, l'ordre a avancé, mais les complexes scolaires Bomberger d'art continuent à fonctionner. Et vous-même, vous êtes témoin. Vous êtes témoin. Nous venons de faire une double proclamation. Les élèves d'art et les élèves de Caïd. Donc, les deux écoles continuent à fonctionner et continueront à fonctionner. Qu'ils nous envoient seulement les enfants, qu'ils viennent voir comment nous sommes en train de travailler. Et ils seront contents du travail qui sera effectué. Avec des enseignants formés dans des meilleurs ISP de la République démocratique du Congo, des bâtiments répondant au standing international, des moyens de transport bien entretenus et ponctuels, Bomberger veut rester la meilleure école pour la formation des enfants du Tanganyika.